is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, bonjour. Bonjour à tous. Je vois que Maître Altit n'est pas avec nous, mais enfin, ce n'est pas grave. Bonjour, monsieur le témoin. I've been informed. On m'a dit que le témoin aurait aimé avoir son ouvrage. C'est l'unité des victimes et des témoins qui m'en a fait part. Donc, c'est un ouvrage auquel on a fait beaucoup référence ces jours-ci. Il aurait aimé avoir cet ouvrage avec lui. Nous en avons un exemplaire. Et le cas échéant, nous verrons ce que nous ferons avec ce livre. Et donc, maintenant, je vais donner la parole à Maître O'Shea. Vous vouliez dire quelque chose, Maître O'Shea? Oui, sur ce point bien précis. Bon, à mon avis, ce n'est pas nécessaire pour l'instant, en tout cas. Et je tiens aussi à dire que Maître Altit m'a chargé de vous dire qu'il devait être une conférence importante d'avocat de la défense. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous en prétoire. Enfin, c'est une conférence importante qui a lieu très près d'ici. Le président, oui, je me doute de l'endroit où il est. Et maintenant, je vous donne la parole pour que vous poursuiviez votre contre-interrogatoire de notre témoin. Maître O'Shea, je vous remercie. Yes, good morning, sir. Bonjour, monsieur. In the years 2001, 2002, 2003. Qui était le président du Burkina Faso à l'époque? Monsieur Blaise Compaoré. Bien compris ce que vous avez dit à de nombreuses reprises hier à propos de ce que vous savez de la part de vos propres sources et ce que vous savez d'autres sources. Alors, que savez-vous quand même de la relation entre Blaise Compaoré et le gouvernement français et Jacques Chirac? Je n'étais ni Blaise Compaoré, ni président du Burkina Faso. Franchement, comment voulez-vous que je sache quel rapport Blaise Compaoré avait avec la France? Perhaps through discussions. Peut-être par le truchement de discussions qui pourraient avoir lieu entre hommes politiques en Côte d'Ivoire. Compaoré ne faisait pas partie de mes amitiés. Did you have any discussion? Avez-vous eu des
discussion avec vos amis politiques, avec les hommes politiques avec qui vous travaillez, à propos de cette relation qui existait entre le Burkina Faso et la France? Maître, je voudrais vous faire remarquer que je suis un homme politique ivoirien et ma préoccupation principale, c'est la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas à ergoter ou bien à discuter de ce que le Burkina avait comme relation avec la France. Et je voudrais vous signaler que nous parlons ici de la Côte d'Ivoire, nous ne parlons pas du Burkina Faso. Indeed. Certes. Certes, on y viendra. Donc, dans le cadre de discussions avec vos amis, avec les hommes politiques à l'époque, ou par le truchement des médias, qu'avez-vous entendu à propos de la relation entre le Burkina Faso et le mouvement rebelle en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que nous savons tous, c'est que la rébellion est partie du Burkina Faso. Et ce n'est un secret pour personne. And please explain. Alors, pourriez-vous être plus explicite pour aider les juges de cette chambre à comprendre ce que vous voulez dire? Je le répète, il est de notoriété publique que la rébellion avait comme base, avant d'attaquer la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et ce n'est ni aujourd'hui, ni demain que qui que ce soit en Côte d'Ivoire va le nier. And alors, en se basant sur ce que vous avez entendu à l'époque ou ce que vous saviez personnellement à l'époque, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu à propos d'une assistance éventuelle reçue par les rebelles du gouvernement du Burkina Faso? Une assistance reçue par les mouvements rebelles venant du Burkina Faso, à part que ce mouvement est parti du Burkina. Did you never... Question. Vous n'avez jamais entendu dire que des armes venaient du Burkina Faso pour les rebelles, pour que assistance soit prêtée aux rebelles? Mais je n'accorde aucune importance à ce genre de propos. Why would you add that comment? Mais pourquoi avez-vous ajouté ce commentaire? Commentaire. Whatever it is, why did you add? Oui, enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais pourquoi l'avez-vous ajouté? I'll move on, Mr. Witness. Je passe à autre chose, monsieur le témoin. What role? Quel rôle a joué Blaise Compaoré, Lina Marcoussi et Kléber, si tant est qu'il en ait joué un? Je n'ai jamais vu Blaise Compaoré à Lina Marcoussi. Et comme je n'étais pas à Kléber, je ne peux rien dire.
So it is it your position? Donc, vous nous dites, aujourd'hui, devant ces juges, vous nous dites donc que vous ne savez rien, en vous basant sur ce que vous saviez à l'époque ou ce que vous avez appris par la suite, à propos du rôle qu'a joué Blaise Compaoré lors de ces négociations. Lui prêter un rôle. J'étais à Marcoussi, il n'était pas dans la salle, donc ne me faites pas dire qu'il était dans la salle et qu'il a joué un rôle. Can you please... S'il vous plaît, répondez à ma question. Question de manière claire et précise. Blaise Compaoré n'est pas mon ami, il n'était pas à Marcoussi, et ne me demandez pas de vous préciser quel rôle il a joué. Right. I will put the question again. Alors, je repose ma question. Écoutez avec attention, s'il vous plaît. Votre position est la suivante. Aujourd'hui, devant cette chambre, devant ces juges, en vous basant sur ce que vous savez aujourd'hui, quelle que soit la source de ces informations et de cette connaissance, vous maintenez que vous ne savez absolument rien à propos du rôle qu'a joué Blaise Compaoré dans ces négociations. Vous le maintenez, oui ou non? À Marcoussi, Blaise Compaoré n'était pas présent, donc il lui est impossible de jouer un rôle dans une salle où il n'était pas. What about Kebler? Et Kleber? Il n'était pas à Kleber, donc je ne peux pas répondre. Asked and answered, hein? Monsieur de Medjian... Réponse. La réponse a été donnée, la question a été posée. Le président intervenant, j'aimerais vraiment savoir sur quelle base vous posez cette question. Vous utilisez du oui-dire, enfin vous lui demandez de se baser sur du oui-dire et vous n'arrêtez pas en revanche de dire que le oui-dire ne devrait pas être accepté. Alors le témoin a dit qu'il n'était pas là, qu'il ne sait pas, il peut éventuellement commenter, mais bon... Maître Hochet, je pense que vous n'avez pas compris exactement où je veux en venir. Pour l'instant, je m'occupe de la crédibilité du témoin. Alors, c'est peut-être pas extrêmement clair tout de suite, mais ça va le devenir, sachez-le. I'm going to read you some. Je vais donner lecture de vos propos dans cet ouvrage non publié, page 57 et 58. Et je vais en donner lecture en français, et puis ensuite vous pourrez répondre. Avait pris un bain de foule. Qui trahissait du moins la nature de l'agression que la Côte d'Ivoire subissait. Sinon, les dividendes que Ouaga comptait en tirer. Sa proximité avec Jacques Chirac lui a permis de détourner l'attention de la communauté internationale sur l'agression extérieure qu'il infligeait au pays du fait Bonny, qu'il avait fait roi au Faso. Would you like to explain? Pourriez-vous nous expliquer les choses? Est-ce que cela rafraîchit un peu votre mémoire? Qu'on revienne encore sur mon ouvrage. Maître. Dans la rédaction et l'édition et la publication d'un ouvrage, il y a trois étapes. La première étape, c'est la rédaction. Quand c'est un manuscrit, on dit manuscrit.
quand c'est un document informatique, on appelle ça un compuscrit. Après, on s'en va l'éditer. Et quand on va l'éditer, on lui donne un numéro. Si ce matin, j'ai tenu à ce que mes ouvrages qui ont été édités viennent dans la salle, c'est parce que je veux qu'on s'assure qu'on dit les mêmes choses et je voudrais que Monsieur le Président autorise à ce qu'on regarde à la page 57 et à la page 58 de l'ouvrage La Rébellion pour être sûr que ce qui vient de lire figure effectivement là-dedans. Parce que hier, j'ai constaté à 17h, à 15h07, quand Maître me posait la question, il a parlé de la conférence de Lomé à la page 54. Quand je suis retourné, j'ai regardé dans le document édité, qui est le seul document qui prouve que c'est moi qui l'ai rédigé. J'ai regardé à la page 54, il ne figure nulle part une mention de la conférence de Lomé. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon document édité, non publié, vienne ce matin. Je vous informe que le document édité porte le code SACD 21 61 26 au niveau des droits d'auteur en France. Alors, est-ce que c'est bien celui-là que vous avez et que vous tenez depuis hier dans vos mains pour vous servir d'argument de base pour poser des questions? Est-ce que celui-là? Well, Maître Rocher, eh bien, la beauté de notre procédure, c'est qu'il y a un homme de l'autre côté du prétoire qui, s'il le considère approprié, pourra revenir sur ce sujet. Nous avons obtenu des documents qui nous ont été divulgués. Et si l'accusation conteste le fait que ce que j'ai lu n'est pas correct ou n'est pas quelque chose que vous avez écrit ou ne fait pas partie de votre recherche, eh bien, je sais très bien que le procureur, lors des questions supplémentaires, rectifiera le tir. Il va le faire certainement. Donc, ne vous inquiétez pas, la procédure est là pour traiter ce genre de problème. Répondez juste aux questions. Le président, et le voilà debout déjà. Monsieur Demedjian, ça vous pendait au nez. Je comprends bien que mon éminent confrère a une stratégie et qu'il suit sa stratégie, je suis d'accord. Mais si le témoin veut voir un exemplaire du livre, s'il a l'impression qu'on l'a plus ou moins induit en erreur hier, eh bien, en fait, là, en ce moment, on est en train de perdre du temps. On pose des questions au témoin en lui donnant lecture de propos dont il n'est pas sûr. Et moi, d'après Maître Rocher, dans mes questions directrices, mes questions supplémentaires, je vais revenir sur le livre et on reposera les mêmes questions. Pourquoi pas faire ça tout de suite? Et d'ailleurs, Maître Rocher a donné lecture d'un passage sans en donner le contexte, puisqu'il n'a pas lu la première phrase qui donne le contexte temporel. Alors, je pense qu'il faudrait en revenir à vos consignes quant à la conduite de la procédure. Vous dire, voici ce que vous avez écrit. Alors, je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps, le président. Oui, enfin, ne revenons pas sur ce qui a déjà été dit hier. On peut procéder comme le conseil l'a suggéré. Donc, de toute façon, à partir de maintenant, on prend le livre tel qu'il existe et puis on cite à partir de ce livre en disant exactement quelle est la page et quelle est la version du livre utilisée pour qu'on sache tous à partir de quel texte on travaille et pour que tout soit consigné correctement au compte-rendu. Maître Rocher, oui, vous avez tout à fait raison, Madame, Messieurs les juges. De toute façon, c'est à moi d'avoir ma stratégie. Mais je ne dois pas, en effet, être injuste envers le témoin. Si le témoin n'est pas d'accord avec ce que j'ai lu, eh bien, on a qu'à l'afficher à l'écran. La compilation à laquelle je fais référence est exactement la même que celle que j'ai utilisée hier, CIVOTP 0083-0392.
Et la page à laquelle vais faire référence, c'est CIVOTP. I got it the wrong way around. So Maître Roche, je me suis trompée. Donc, je reprends. Le document est CIVOTP 00830 332. Et la page qui m'intéresse, elle a la même cote, mais se termine par 0392. Alors, si je déforme les propos qui sont écrits, eh bien, mon éminent confrère et contradicteur doit intervenir. Mais je vais lire à partir de la page 61. Alors, là, monsieur le témoin, voici ce que vous dites. Et vous pouvez bien sûr contester le fait que vous l'auriez dit. Je cite. Ivoirienne, on le sait, est une rébellion par procuration, dont les tentacules remontent jusqu'au Burkina Faso. So, I suppose in the light. Alors, au vu de ce que vous venez de nous dire, je devrais d'abord vous demander si vous acceptez, vous êtes d'accord pour dire que c'est quelque chose que vous avez bel et bien rédigé par le passé. Venir encore sur quelque chose d'important parce que vos références me posent problème. Non, je vous demande de répondre à ma question. Le président, désolé, désolé, monsieur le témoin, dit le président. La première question qui vous a été posée est la suivante. Avez-vous bel et bien rédigé ces propos? Je reconnais les avoir rédigés et j'ai même dit tout à l'heure que la rébellion est partie du Burkina. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter en plus. No, I just want to ask you to Okay. first. Non, je tiens juste à vous demander de répondre à cette question-là, par oui ou non. Donc, ne commencez pas par des commentaires. D'abord, oui ou non, et ensuite, on verra. Oui, je l'ai écrit, mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les références que Maître cite, je suis surpris de constater que ce n'est pas évident quand ça se trouve dans mon livre édité, dont j'ai envoyé copie ce matin. Yes, Mr. Witness. Oui, monsieur le témoin. Peut-être que d'autres seront intéressés par cette version éditée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit par le passé. Did you mean? Alors, qu'entendiez-vous par... Vous pouvez répéter votre question. I'll read the sentence. Je vais vous donner lecture de la phrase une fois de plus et ensuite je répéterai la question. La phrase est comme suit. D'accord. On le sait, est une rébellion par procuration dont les tentacules remontent jusqu'au Burkina Faso. Oui. The Procuration. question is. Et la question est comme suit. Qu'entendiez-vous par procuration? Par procuration, le fait de donner mandat à quelqu'un pour faire quelque chose. Thank you very much. Merci beaucoup.
Based upon what you... Alors, sur la base de ce que vous avez entendu, soit à l'époque, soit par la suite, est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit au sujet de la confrontation armée entre l'armée ivoirienne et les soldats français le 24 novembre 2002. Je n'ai pas une souvenance assez précise de cette confrontation. En 2002, armée ivoirienne contre les soldats français. Je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est ce qui s'est passé en novembre 2004. In your unpublished... Et dans votre compilation non publiée, CIVOTP 0083-0389, vous exprimez comme suit. Lucie est une création de la France. Elle aura pour gendarme l'ONU. Do you accept that that is something... Est-ce que vous acceptez que c'est quelque chose que vous avez écrit par le passé? Je l'ai écrit. C'est la France qui a conçu Marcoussi et par la suite, c'est l'ONU qui avait pour mission de mettre cela en application et en être le gendarme. Do you have knowledge? Est-ce que vous êtes au courant de confrontation entre les soldats français et l'armée ivoirienne le 29 novembre 2003? 29 novembre 2003. Franchement, je n'ai aucune souvenance. Je vous dis les faits marquants que nous avons retenus en Côte d'Ivoire, ça a été novembre 2004. Mais 2003, il y a pu y avoir des événements de ce type qu'on a pu noter, mais celui-là ne nous a pas marqué particulièrement. And this incident. Et cet événement. Lorsque l'armée française a attaqué l'avion du gouvernement ivoirien ou l'aviation. Du gouvernement ivoirien. Est-il exact qu'il y a eu des avions détruits ainsi que des hélicoptères? Est-ce que vous êtes informé de ceci, monsieur? Nous avons été informés que les hélicoptères de l'armée ivoirienne ont été détruits par l'armée française. Ça, c'était au mois de novembre 2004. And did you hear... Et est-ce que vous saviez que cela avait inclus également un hélicoptère de transport ?
peux pas savoir si c'était des hélicoptères de transport ou pas, mais ce que je sais, c'est que des aéronefs ivoiriens ont été détruits à cette période. Was there anything left? Est-ce qu'il y restait quelque chose de l'aviation ivoirienne? À ma connaissance, ils ont tout détruit. Président, excusez-moi, puis-je? Là, je pense que on est en train de faire un cours d'histoire. Parce que nous en sommes encore au tout début de l'année des années 2000, c'est très loin des charges. Comme je l'avais dit au procureur à un moment donné, peut-être que vous pourriez vous intéresser à une période plus proche des charges. Parce que bon, un cours d'histoire... D'accord, mais ce n'est peut-être pas le lieu idoine pour le faire ici. Donc peut-être que vous pourriez passer à autre chose, Maître Rocher. Mais écoutez, je vais m'incliner, Monsieur le Président. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'était que le rôle des Français et le rôle du Burkina Faso sont essentiels pour ce qui est de la thèse de notre défense, si vous le comprenez. Le Président, je le comprends et je le sais. Tout comme mes collègues. Is it right, according to your knowledge? Alors, d'après ce que vous savez, monsieur, est-il exact qu'en juin 2004, il y a eu des conflits internes au sein du mouvement des rebelles? Oui, je ne peux pas vous dire les dates exactes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des conflits internes. And did this ultimately... Et est-ce que cela a finalement abouti à un conflit armé entre deux camps du mouvement des rebelles? Quand nous sommes revenus de Marcoussi, il y a eu les forces nouvelles. Donc ce n'est pas deux camps, mais ce n'est pas des affrontements entre deux mouvements, c'est plutôt... en interne, puisque les forces nouvelles avaient un seul et unique chef qui s'appelait Soro Kibapori Guillaume. Donc, ce qui s'est passé, c'est entre eux. Il y avait d'un côté IB, CAS, et ils se sont battus entre eux. I'd like to, if I may. Si je le puis, je souhaiterais vous poser des questions, quelques questions, au sujet de cet événement si fâcheux, si malheureux que vous décrivez.
Donc, vous avez expliqué que qu'il y avait quatre individus qui étaient avec vous, à vos côtés, et qui ont été tués. Frank Ndouba, qui était le chef de votre sécurité, c'est cela? Youssef Zié Traoré, qui faisait également partie de la sécurité, c'est cela? Arsène Yarpo, qui faisait également partie de la sécurité. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Compagne pour vous aider à porter vos documents. Have you previously described him as your body? Est-ce que vous l'aviez précédemment décrit comme votre garde du corps? Est-ce que vous l'aviez précédemment décrit comme votre garde du corps? Oui, effectivement, bon, invariablement, on parle d'aide de camp, de garde du corps, mais vraiment, c'est invariablement qu'on emploie cette expression. Et ces trois personnes que je viens de mentionner, le jour donné, est-ce que ces trois personnes portaient une arme à feu? Ils n'avaient pas d'arme à feu. C'est M. Traoré, ceux qui avaient une arme à feu. Et le quatrième homme est Yacouba Kone. Et c'était votre chauffeur, c'est cela? Mais je vous fais remarquer que ce jour-là, M. Frank Ndouba me servait de chauffeur. Et que faisait Yacouba Kone? De l'autre voiture. Il était dans l'autre voiture avec M. Traoré. Now, when lorsque M. Traoré Ndié a été tué, où vous trouviez-vous par rapport à lui? J'étais couché par terre. Et que faisait-il? Rien. Was he also lying? Mais est-ce qu'il était également couché par terre, lui? Il était couché par terre. Je vous fais remarquer que quand nous sommes tombés sur cette unité, ils nous ont sortis de véhicule et nous ont demandé de nous coucher par terre. Immédiatement. Et après que Traoré Ndié a été abattu, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces tirs entre ces deux groupes armés? Quand Traoré Ndié a été abattu,
nous avons entendu des tirs venant d'en haut en direction de l'unité. So, donc, il y a eu donc cet échange de tirs entre le groupe avec lequel vous étiez et un autre groupe armé. Ça veut dire que nous, on était couchés par terre et il y avait les camions et les 4x4. De l'unité commandée par CKCK, qui était sur le côté du bitume. Et c'est entre eux qu'il y avait les échanges de tirs, mais pas nous. Nous n'étions pas dans une position de combat. Yes, that's... Oui, cela nous le comprenons bien. Et donc, cet échange de tirs, pendant cet échange de tirs, l'attention des soldats qui étaient avec vous a été attirée en quelque sorte vers cet autre groupe armé. Ce n'était plus sur vous ou à vous qu'ils prêtaient attention. Comment? Les soldats qui vous ont fait sortir du véhicule, lorsqu'ils ont commencé à avoir cette fusillade avec l'autre groupe armé, à un moment donné, de façon momentanée, leur attention a été attirée vers l'autre groupe, n'est-ce pas? And how long did this exchange... Et combien de temps est-ce que a duré cette fusillade? Je dois vous dire que quand vous vivez ce genre de situation, c'est comme si c'était une éternité. Je ne peux pas vous dire. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne peux même pas certifier le temps pendant lequel mes gars ont été tués. Tellement le traumatisme était fort. Vous aviez l'impression dans ce genre de situation que ça durait une heure, ça durait deux minutes, ça durait trois minutes. Et je ne vous souhaite pas du tout de vous trouver dans ce genre de situation un jour dans votre vie. Yes, I'm... Oui. Et vous avez toute ma compassion. Car je comprends tout à fait le genre de traumatisme qui peuvent être déclenchés par ce genre de situation. Mais... Donc cet échange de tirs entre ces deux groupes armés... Est-ce que cela a duré pendant quelques secondes brèves ou est-ce que cela a duré pendant plusieurs minutes? C'est ce que je viens de vous dire. Une situation si traumatisante, on n'a pas le temps de compter les minutes. On peut faire une évaluation, mais on n'a pas le temps de compter les minutes. So, donc, vous ne savez pas combien de temps cela a duré entre le moment où NZA a été tué et le moment où Kone et Frank ont été tués et Yabo. Des têtes comme ça, je peux vous dire que tout ça n'a pas duré plus de 15 minutes. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais est-ce 15 minutes? Est-ce 30 minutes? J'ai dit, je ne vous souhaite pas de vous trouver dans cette situation parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui encore, je continue de vivre le traumatisme de cet événement. Et ce n'est pas comme en Europe où vous avez la possibilité d'avoir des psychanalystes ou bien des gens pour pouvoir vous assister. J'ai été obligé, personnellement, d'aller à plusieurs reprises sur ce site pour m'auto-guérir, m'auto-psychanalyser moi-même.
pour sortir de ce traumatisme et mieux, pour que cela ne devienne pas un drame permanent sur ma personne, j'ai installé mes bureaux privés à côté du site. De telle sorte que chaque fois que j'arrive là, je m'en souviens et au fil du temps, ça passe, ça passe, ça passe. Je vous le répète, je ne souhaite pas que même mon pire ennemi puisse vivre ce genre de situation. Yes, Miss, I understand. Oui, oui, je comprends tout à fait, monsieur. Now, when Coney was shot. Lorsque Coney a été abattu, que faisiez-vous à ce moment précis? J'étais couché. Dans les herbes. At that point. Et à ce moment-là, lorsque Coney a été abattu et que vous étiez caché, dissimulé dans les herbes, ou plutôt, le président, non mais il était allongé par terre, il n'était pas dissimulé dans la broussaille, il était allongé par terre, dans l'herbe. Alors monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agissait d'herbe justement ou de broussaille, de brousse? C'est au bord d'une route bitumée, il y avait quelques herbes par là. Et quand Coney a été, Taurasi a été abattu, Arsène, au moment où les tirs ont commencé, moi j'étais couché par terre et Arsène m'a soulevé. Pour dire, tonton, mettons-nous un peu à l'abri. Donc il m'a soulevé pour me déposer dans les herbes. Les herbes qui étaient à côté du bitume. Mais ce n'était pas une broussaille. Et est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas vos béquilles à ce moment-là? Mais je pouvais pas, je les avais pas à côté de moi. Donc c'est lui qui m'a soulevé pour me mettre sur le côté. So you had... Donc vous aviez vos béquilles lorsque ils vous ont fait sortir de la voiture? Pas, ils m'ont tiré de la voiture pour me jeter sur le bitume. So how did you... Donc, comment est-ce que vous avez obtenu vos béquilles? Ou comment est-ce que vos béquilles se sont retrouvées près de vous? And where did he take them from? Et d'où les avait-il prises? Dans la voiture. Il me tenait d'un côté et il a pris les béquilles de l'autre. C'est bien à mémoire cette image. Il m'a même demandé, il m'a dit, tonton, tu n'es pas habitué, mais accroche-toi à mon cou. Mets ta main sur mon cou, sinon je ne pourrais pas te prendre. Je me souviens exactement de ça. Bien, donc vous êtes allongé dans les herbes, vous avez vos béquilles près de vous au moment où Coney est abattu. When Zia was Et quand Nzia a été abattu, vous avez expliqué que vous étiez donc
couché par terre. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous parlait à ce moment-là? Dans ce que je vous ai dit et que j'ai pu relater, j'ai dit ceci de particulier. Qui êtes-vous? Ça, c'est la question posée par M. Seka Seka. Au moment où j'étais par terre, qui êtes-vous? Franck, qui était aussi couché par terre et qui a reconnu Seka Seka, m'a dit ceci: tonton, on est foutu, c'est le commandant Seka Seka. Et ce monsieur s'était taillé une réputation, réelle ou pas, de chef d'escadron de la mort. Donc, quand il m'a demandé, qui êtes-vous? Je lui ai dit, je suis le ministre Joël Nguessan, ancien ministre des droits de l'homme de la République de Côte d'Ivoire. Où allez-vous? Je suis allé voir ma soeur, ma mère et ma soeur. Ma soeur étant la mère de M. Stéphane Kipré. Et je rentre chez moi à la maison. Vous connaissez Stéphane Kipré? Oui, je suis son oncle. Ben, Stéphane Kipré est dans une voiture à côté. Nous sommes allés le chercher. Nous allons vérifier si effectivement vous êtes son oncle. Et c'est les échanges que j'ai eus durant toute cette période. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir Stéphane Kipré au téléphone. Et il a dit à Seka Seka de m'épargner. Ce sont les échanges que j'ai eus. Mais je vous l'ai dit, retracer aujourd'hui la chronologie exacte d'un événement aussi traumatisant, c'est pas évident. Mais je me souviens exactement de ce que j'ai vécu. Et je me souviens exactement de ce que j'ai eu à dire. Donc ce n'est pas devant cette cour que je vais me dédier sur ce que j'ai vécu et sur ce que j'ai eu à dire. Et ce n'est pas non plus devant cette cour que je vais dire que les quatre n'ont pas été tués. Ils ont été effectivement tués. Et c'est pour eux que je suis ici. C'est pour les 9 orphelins qui m'ont laissé. C'est pour les 4 veuves qui m'ont laissé que je suis venu à la Cour pénale internationale. Pour que, enfin, les gens sachent ce que nous avons vécu. Moi, personnellement, je témoigne de ce que j'ai vécu. Mon souhait aurait été que beaucoup de personnes qui ont vécu ces traumatismes puissent témoigner. Il est important pour moi de vous le dire. C'est pour les 9 orphelins qui m'ont laissé. Et les 4, vous comprendrez que depuis que je parle, je vous dis, Stéphane Kipré, c'est mon neveu. Stéphane Kipré, c'est le gendre de M. Gbagbo. Mais vous verrez que moi, je suis venu témoigner, pas en fonction de mes liens de parenté ou bien des choses, mais je suis venu témoigner en fonction de ce que j'ai vécu, parce que j'estime que la justice, elle est au-dessus des liens de parenté. Cela est très important pour moi. Yes, thank you, Mr. Witness. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je comprends bien que les choses sont difficiles. Et je comprends bien ce que vous ressentez. Mais il est évident que vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Alors,
Je vais vous demander la chose suivante. Lorsque Zié a été abattu, est-ce que quelqu'un était en train de vous parler à ce moment-là? Maintenant, Sika Sika est venu vers moi. Can the witness please be shown? Pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer au témoin la première page de sa déclaration? Et bonne question, hors micro du président. Donc il s'agit de la première déclaration, CIV, OTP 0004. 0002 R02. We have it on the screen. Le président, c'est à l'écran. Maître Chey, monsieur le témoin, voyez-vous les signatures qui sont en bas de cette page? C'est lui, je vois Joël Kwadjongesson. And is that your signature? S'agit-il de votre signature? Signature. Parce que j'ai des signatures que j'utilise pour mon compte bancaire et j'ai des signatures que j'utilise pour d'autres types de documents. And can the witness... Your Honor, can I go into... Pouvez-vous, s'il vous plaît, passer rapidement à huis clos partiel, pour 30 secondes à peu près. Le président, bien, huis clos partiel, s'il vous plaît. I just want to be sure. N'est accessible qu'à l'intérieur de la salle d'audience. Maître Chey. Président, Maître Chey, c'est à vous. Maître Chey. Pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer au témoin maintenant la deuxième page de ce même document. S'agit-il de vos initiales? Est-ce vous qui avez paraffé cette deuxième page à gauche? And... after this. Et une fois la déclaration préparée, le contenu de cette déclaration vous a-t-elle été relu par les membres du bureau du procureur? Ça a été le cas.
Thank you. Je vous remercie. And at paragraph... Au paragraphe 73 de votre déclaration, à la page 12 du document, vous dites, et je cite... Arsène m'a apporté mes baquelles. Nous avons alors quitté la broussaille et sommes revenus sur la route asphaltée. En ce moment, l'homme qui avait abattu Z s'est avancé vers nous et il a dit « Je m'appelle commandant Seka Seka. Est-ce que vous me connaissez ?» Avez-vous déjà entendu parler de moi? Je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais mon neveu Stéphane Kipré m'a déjà parlé de commandant Seka Seka Alselm. Il m'a dit, vous êtes donc l'oncle de Stéphane Kipré. Question. On va vérifier cela. Do you accept that you... Vous êtes d'accord pour dire que vous avez bien dit cela à l'accusation? Mais je vous fais remarquer quelque chose de fondamental. Fondamental. Quand vous vivez ce genre de situation, il faut du temps pour pouvoir préciser la chronologie des événements. J'ai prêté serment à Abidjan lors du procès de Seka Seka. Mes dires sont précis. Et puisque vous détenez mes déclarations, vous verrez que quand j'ai été entendu par le juge Cissé Losseni, j'ai exactement dit ce que je viens de vous dire ici à la cour. Donc, il a pu avoir des éléments qui, de manière chronologique, ne se sont pas passés ainsi, mais Seka Seka ne s'est pas présenté à moi, je refute cela. And is it right? Question. Est-il exact que cette conversation a eu lieu? Stéphane Kipré m'a déjà parlé de commandant Seka Seka. Je refute cela. Ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Et je vous fais remarquer que cela, si mes souvenirs sont exacts, c'est au mois de septembre 2011 que j'ai eu la première rencontre avec les gens de la Cour pénale. Il m'a fallu du temps pour reconstituer les événements. Et comme j'ai une mémoire scripturale, j'ai commencé à rédiger cet élément de ma vie. Pour être sûr que, un, les événements se sont passés ainsi, et pour ne pas dire des choses qui n'ont pas été. Je vous le dis, je refute la façon dont ça a été rédigé. C'est vrai, on se relie, mais je refute cela. Very well, thank you, Mr. Witness. Très bien, merci, monsieur le témoin.
On page 79 of your À la page 79 de votre déclaration. Non, au paragraphe 79 de cette déclaration, page 13 du document, vous dites, et je cite, puis j'ai vu un autre homme tirer une fois dans le dos de Frank. Ils ont tué Yacouba Kone, Arsène Yapo et Frank Nduba dans moins d'une minute. Le temps pour moi de marcher jusqu'à la voiture où se trouve Stéphane Kipré. Do you accept that you said this to? Vous maintenez le fait d'avoir dit cela à l'accusation? Quelque chose, c'est que l'espace temporel peut varier. Une minute, cinq minutes. Je vous dis, quand vous vivez ce type de traumatisme, vous ne savez pas si ça a duré une éternité ou bien si ça a duré une minute. So that's with respect to the comment on. À propos de ce commentaire sur moins d'une minute, mais le fait aussi qu'il est écrit marcher jusqu'à la voiture. Vous marchez vers la voiture lorsque Yacouba Kone a été tué. Qu'avez-vous à dire à ce propos? That part is correct, is it? Donc ça c'est correct. Puisque j'avais mes béquilles et Sekaseka m'a demandé de me lever. So you are. Donc vous marchez vers la voiture et vous entendez les tirs alors que vous marchez. C'est cela? Votre question. So donc vous êtes en train de marcher vers la voiture et vous entendez Kone se faire abattre. Vous entendez les tirs. Ou le tir. C'est exact. So what you said. Donc ce que vous avez dit précédemment, ce matin. Vous étiez couché dans l'herbe lorsque Kone a été abattu. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Je voudrais vous rappeler que ce dont je me souviens, c'est la chronologie des tueries. OK? C'est la chronologie des tueries. Traoré, Kone Yacouba. Comment ça s'appelle? Arsène. Et puis Franck, c'est la chronologie des tueries. Il y a eu des moments où ça s'est passé pratiquement de manière simultanée. Donc il est bon que vous sachiez que quand on vit ce genre de situation, ce n'est pas évident du tout. Il m'a fallu du temps pour reprendre la chronologie des tueries. According to you, d'après vous, pour quelle raison avez-vous quitté la maison ce jour-là? Le président, oui. Monsieur le substitut procureur, monsieur le médian, je suis désolé d'interrompre mon éminent confrère, mais j'ai déjà posé cette question. En interrogatoire principal, je crois que Maître Altit aussi a posé la question. Enfin, il faut que je vérifie, mais je crois que ça fait la troisième fois que je lui demande pourquoi il a quitté la maison ce jour-là.
Maître, je pense que je suis autorisée à répéter certaines questions, en tout cas dans une certaine mesure. Vous comprenez bien pourquoi je fais cela, n'est-ce pas? Je vois que vous hochez de la tête, Monsieur le Président. Le Président, oui, j'entends, je comprends très bien. Cela dit, j'aimerais bien que cet exercice se termine à un moment ou à un autre quand même. Enfin, allons-y lentement. Je ne voudrais surtout pas renier vos ailes. Mais il est vrai que vous n'avancez pas bien vite. Careful step. Oui, j'ai fait des petits pas, mais je suis prudent. Le président, allez-y. Donc, d'après vous, monsieur le témoin, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter la maison ce jour-là? Allait mettre en charge nos téléphones portables parce que dans notre quartier, il n'y avait pas d'électricité depuis quelques jours. Et puis, la deuxième, c'était pour rendre visite à ma famille pour voir comment ils se portaient. C'était les seules raisons pour lesquelles vous avez quitté la maison, toujours là? Désir, c'était de rencontrer mon neveu Stéphane Kipré, qui, à la veille, m'avait appelé pour me dire que, du moins, on m'avait informé qu'il avait été arrêté par le commandant Ibé qui était à Bobo. Donc, je lui ai dit, bon, moi, je sortirai, j'irai chez maman, et si t'es possible, il faudrait qu'on se croise là-bas pour que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'une des raisons. I wonder if I can seek the indulgence of the chair. J'aimerais demander l'indulgence de la Chambre pour que la pause se fasse par anticipation maintenant. En effet, j'ai des questions à poser, mais j'aimerais bien avoir un petit peu de temps pour me préparer. Le président, cela me paraît raisonnable. Nous allons faire la pause maintenant, mais nous reprendrons à 11h30.